Nous sommes là ce matin pour vous présenter en fait notre système qu'on a mis en place et qu'on a nommé tout simplement traqueur solaire. Ici, notre système de traqueur solaire permet en fait de suivre le mouvement du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher et permettre en fait d'avoir le maximum d'énergie. Ce qui nous permet en fait d'optimiser l'utilisation de l'énergie et cette énergie en plus qu'on va avoir grâce au mouvement du traqueur solaire pour suivre le déplacement du soleil nous permettra peut-être d'alimenter une autre maison, la maison voisine ou de faire quelque chose de plus rentable avec cette énergie. On va faire la démonstration de comment ça marche. Là vous voyez, dès que je mets, il se synchronise. Et maintenant, je vais vous faire la démonstration avec ma lampe. La lampe maintenant qui sera utilisée ici comme le système, le soleil. Vous voyez, dès que la lampe est en face, il fait face. Et dès que le soleil bouge, vous voyez, dès que le soleil bouge, il se met au milieu, il essaie de se réajuster pour suivre le déplacement du soleil, vous voyez. Il suit jusqu'au coucher du soleil. Et même là, il reste là. Et demain matin encore, dès qu'il va commencer à ressentir encore les premiers rayons du soleil vers le lever du soleil, vous voyez, il revient encore se replacer encore. Il place les plaques face au soleil pour avoir le maximum d'énergie en fait. Dès qu'il est midi, il reste là. Et le matin, il est là, face. Et dès qu'il est 11h, en allant à midi, 13h, il est face. Et maintenant, dès qu'il est 14h, en allant vers 15h, 16h, il se remet là, pour suivre jusqu'à 18h, coucher du soleil. Ici, la technologie en fait que nous avons utilisée, ce sont des plaques solaires amorphes. Dès que ça commence à ressentir un peu de la chaleur, ça recommence déjà à charger directement, automatiquement les batteries. Même si toutefois on arrivait à implémenter la solution, que l'on laissait même dans la salle ici, la lumière du soleil et la lumière du jour même déjà va commencer déjà à charger les batteries. On va déjà commencer à sentir sur la plateforme.